Chevalier, vous m'avez appelé? Bonjour, mon roi. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ma fille est l'orphelin. Oui, malheureusement, depuis sa tendre enfance, elle ne parle pas. Mais nous aimerions la donner en épousette. C'est vraiment un grand malheur. Où est votre fille? Là-haut, assis. Oh, mais que vous êtes belle, princesse. Chevalier, partez vite et trouvez des moyens de communication pour notre fille. Au revoir, brave chevalier. Mon père m'a dit que dans cette forêt, il y avait un magicien et une magicienne. Ils pourront m'aider. Entrez! Que pouvons-nous faire pour vous? J'ai un grave problème. Le roi m'a chargé de trouver une solution pour ta fille qui ne parle pas. Très bien, chevalier. Nous allons vous envoyer vers le futur. N'est-ce pas, ma chérie? Ouvre le grimoire et répète après moi. Abracadabra! Abracadabra! Ah, cet endroit est pollué! Bonjour, mais où suis-je? C'est quoi ce déguisement? Vous me critiquez ou quoi? Oui! Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui. La fille du roi ne parle pas. Mais quel roi? Mon roi. Est-ce que vous avez une solution? Oui. On pourrait t'amener à la lagune. Ah bah ça c'est une bonne idée. Allez, suivez-nous. On est arrivé. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur le chevalier a besoin d'aide pour communiquer avec la fille de son roi qui ne parle pas. Alors, j'utilise un synthèse vocale, des programmes informatiques, la langue des signes et le classeur de dicto. Maintenant, je sais comment l'utiliser. Il est l'heure de rentrer chez vous au Moyen-Âge. Ah, enfin chez moi! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hors de mon chemin, t'as le dragon, je dois retourner au château! Bonjour, sire! Bonjour! J'ai tout ce qu'il faut pour votre fille. Regardez. Le mieux, c'est l'ordinateur. Vous n'avez pas de l'électricité pendant que j'étais pas là? C'est quoi ce moment? Voici le chasseur, princesse. Princesse, je vous aime. Moi, pareil. Donnez-moi la main de votre fille. Nous aimons. Oui, c'est avec grand plaisir que nous vous donnons notre fille en épousaille. Que le mariage se fasse.